La centrale pour qu'il envoie les services d'incendie qui sont venus sur eux autres. Dans une cabine ou faire un contrat, là. On a fait appel aux autres services d'incendie sur la rive sud. Je vous préfère de diriger vers une rive, restez groupés. Au pompier qui est à l'eau. Écoute, je pense que je vois un vent plus loin, là, côté de Montréal. J'ai tout rendu qui est dans notre direction. Aussi, ça va plus voir les rapides, là, mais il y a un visuel, c'est un vent plus loin, c'est ça. Pour ça, je n'attends que le PC va être au point de le Sénécal et de pouvoir l'attendre. 255. On va passer à l'eau. Bonjour Marie, j'ai l'impression que tu t'en vas vers les rapides. Oui, tourne vers la gauche. Comme en arrière, je tourne vers la gauche. Je vais mettre la lumière là, je fais des voyages avec la lumière pour changer pour mon cœur. Quand tu as du 115, on est peut-être au kit des machines. De lui là. Tu dis 1 km en arrière de lui. Le théâtre, on s'en va vers le fond centré. C'est 6 jusqu'à 1854. Juste 55. Et ici au pompier maillé. Pompier maillé de ça? Tes coéquipiers, t'as aucun visuel avec eux autres? Je peux pas rien confirmer là, c'est juste un audio que j'ai entendu là. PC 24. Je suis au-dessus de 55. Je suis juste en bas-bord de vous là. Regarde, on s'en direction. PC 5 au PC, garde le code. On dessert, mais pas de délai. Le 115 est à l'eau. On est en direction de Laval des Rapides. 855 au PC. On vient de récupérer le pompier qui est à l'eau. On s'en va en direction du bateau qui est à la dérive. C'est ça qui est au courant. C'est 6-4. C'est capable de monter sans trop d'aventurer, là. Semblerait que le pompier maillé, il a entendu crier, mais du côté de la rive sud, ça serait près de l'île des Ronds. 855-4. 255 au PC, on ramène 2 pompiers à la descente des marchés. Il reste 2 pompiers dans le bateau à l'église. Il reste 2 pompiers, on n'a pas trouvé que c'est à l'eau. PC 24. 255 au PC, ça donne des disques, là. Le 4 avec un pompier à bord, et on y a laissé 35, c'était pas pour traverser. L'autre pompier, on a utilisé, on n'a pas gagné déjà à dérive, environ à 5 km. À l'est, bateau à dérive. 255 au PC, donnez information sur 34. Le pompier, une douleur en poitrine, c'est mort. On va plus vite pour aller à descendre des marchés, c'est estimé 4 minutes. Oui, c'est 10-4. C'est capable d'identifier les deux pompiers. Affirmatif, on les assiste présentement avec l'exchange. J'en ai un en hypothermie présentement. 10-4, le pompier maillé et l'autre pompier. Pompier maillé en hypothermie. Le deuxième pompier douleur poitrine, c'est le lieutenant. 2035 au PC. Prends note que le 2000 agit comme PR à la marina des Marseilles. Avec en support ressources, 3 ambulances et le squad de GMT d'ambulance. On est prêt pour savoir les victimes. Quand tu as des détails, tu peux nous les dire. PC, elle nous dit qu'elle a parlé. On a un pompier qui est en hypothermie, puis le lieutenant a une sévère douleur à poitrine.
temps estimé d'arrivée, 2 minutes et demie. 2135, la dernière unité, 7-4, on a mis des flares sur les pieds. 115 au PC. Au PC, c'est un 115. Il y a un visuel avec le bateau du Montréal qui est à l'envers. Peux-tu me confirmer qui je recherche? Est-ce que c'est un civil ou c'est un pompier? PC au communicateur, l'unité qui parle. On recherche un pompier. Je suis à la grotte à l'envers. Je ne sais pas comment ça se fait. 255 au-dessus de 115. Il y avait un bateau blanc d'environ 16 pieds avec un pompier à bord et deux citoyens qui étaient à dérive. Puis on était là. Il était déjà à dérive environ de 100-200 mètres par le pont Champlain. Il comptait tomber plus loin. J'ai un contact avec la salle de pêche blanche avec deux civils. J'ai aussi le pompier Robin avec moi. Peux-tu me confirmer que Pierre Lacroix est toujours manquant? Mais c'est discret. Le manquant est toujours Pierre Lacroix. Il est testé dans la pression de l'âme. Civil, à la dérive, parce que là, tu sont sales. On s'en va procéder à la communication. La coque. Le bateau du côté de Montréal, là, on va essayer de faire à l'envers. On va essayer de aller dessus pour voir si on est capable d'entendre le poste. On suspecte qu'il y a une contact, on va essayer de faire à l'envers. On prend bien, tu veux essayer de t'approcher de la coque pour voir s'il y a quelque chose en dessous. Exactement, c'est ça qu'elle fait, je suis rendu là. Ça confirme, là, la HRC, la Garde nationale, sont utilisées. Une aéronette, hors de Trenton. Jusqu'à. 8-55 au 115, on vient de revenir de trois points où on a capté la première pompier à dans l'eau. On va commencer à marauder à l'entour. Communication au PC, est-ce que tu me confirmes qu'il y a toujours un pompier de manquant? PC, affirmatif, il nous manque encore le pompier là. C'est bon. 10-4. Pompier tenant au PC, je suis toujours avec la force. On a toujours le pont Champlain en visuel. Le 1015 appelle le pompier paiement. Pompier paiement, les gars. Robin, est-ce que tu as vu Pierre à la dérive à un moment donné? Ok. 10-4. PC à toutes les unités, 10-50. PC à toutes les unités, à partir de maintenant, on cherche un pompier seulement. Un pompier, on évite de mentionner le nom. 1815, à toute la location de passez sur la voie VHF 19. Voie VHF 19 pour toute communication avec la prairie et les autres. On a tous embarcation avec le allô présentement avec... le bateau qu'on a fait de ramasser, on recherche encore un contrôle à l'eau. Toujours à côté de la coque, 164. La coque est accrochée dans le fond d'eau, solidement. C'est ça, fantastique, que j'ai de bien faire pour virer le bateau fort. Là, je trouve que le continuateur a essayé de virer ça à l'envers pour voir en dedans. Négatif, on va se concentrer sur la recherche du pompier. Il fait un waypoint pour marquer la coque, et on va revenir. C'est capable de se mettre en direction du pompier qui est avec l'autre embarcation. Je viens d'abandonner la coque, je sors sur 34, je prends note que j'ai installé une flashlight blanche, une lumière allumée sur la coque à l'envers. Je suis en direction du pompier d'une embarcation blanche à dérive. En direction. 1400, 815 appelle pompier paiement. Ok, je suis en train de clignoter ma flashlight vers toi. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me confirmes que c'est toi ça? Affirmatif. Jusqu'à ton temps bien. PC ou 1815? À l'écoute. PC ou 1815, es-tu capable de me dire si les gars étaient sautés? Pompier paiement, je peux vous répondre. On avait nos vestes. Avec les imperméables. Jusqu'à pompier demain.
Robin, t'es à combien de pieds de la berge, là? Je suis environ à 50-60 pieds de la berge. On a 6 pieds d'eau en tout. Je suis avec l'embarcation citoyenne, avec le pompier à bord. Ils sont accrochés après moi à l'épaule. On est en train de se déplacer avec l'embarcation. On s'en va les ramener à Sainte-Catherine. Sur l'Estacade. Ici le PC, nous allons mettre un plan d'opération en branle. Fait que les unités 801 de Longueuil, vous allez devoir patrouiller du pont Champlain. L'île Notre-Dame, parc Jean-Drapeau, vous allez continuer votre descente jusqu'à les îles de Boucherville, tunnel Louis-Bonnet-la-Fontaine. Avec l'heure de l'avirement de l'embarcation ainsi que le courant, nous devons avoir un plan de recherche qui s'étale sur 9 km. Fait que le 18-38, je vous demande d'être au tunnel Louis-Bonnet-la-Fontaine et vous allez remonter le courant en longeant le port de Montréal. Le 18-55, vous allez faire la même chose avec le 18-38. Vous allez monter en lâché et Longueuil va être sur le bord de Longueuil.